Bonjour et bienvenue dans cette cinquième édition du Sapin Flash, le journal télévisé du collège Léo de Sapin-Bec. Aujourd'hui au programme, nous vous présenterons le rallye citoyen, l'exposition des bisous et l'arrivée des moutons, sans oublier les fameuses brèves du SOF. Pour commencer, nous allons vous parler du rallye citoyen qui a lieu le vendredi 12 mai à Barentin. Louane, peux-tu nous expliquer ce que c'est le rallye citoyen ? C'est un forum autour de la citoyenneté qui a été proposé aux élèves de 3e. La France sera à l'image de ce que vous en ferez. Profitez de cette journée, la seule limite que j'y vois, c'est votre curiosité. Plus vous serez curieux, plus cette journée sera réussie. Félicitations à eux pour leur courage face à la pluie et à la côte de Barentin. Maintenant, nous allons vous présenter l'exposition de Bisu, dont le vernissage a eu lieu au collège le mardi 23 mai. Thank you.
Félicitations à nos artistes qui ont fait du très bon travail. Nos petites merveilles sont arrivées. Mais qui donc? Je ne sais pas. Découvrons-le tout de suite. Damien Hédin, je suis le président de l'association que je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc je suis, comme vous l'avez vu, celui qui vous a amené vos nouveaux camarades pour la fin de l'année et pour l'année prochaine. Alors voilà, nous ce qu'on est, c'est Ocotop, c'est une association. Et en dessous, il y a écrit paysage et biodiversité, on va essayer d'en discuter un petit peu de ça. C'est donc l'objet de notre action, c'est le paysage et la biodiversité. Vous allez voir que ce qu'on fait là, c'est pas seulement mettre des moutons pour mettre des moutons, que tout ça, ça s'inscrit dans une démarche un peu plus globale. On va essayer d'en discuter un petit peu, que vous compreniez la finalité de tout ça. Il y a un considérable déclin de la biodiversité, et à tous les niveaux. Donc la situation est inquiétante pour de nombreuses espèces à travers le monde. Et l'intérêt de la démarche qu'on mène aujourd'hui, c'est que, en gérant l'espace vert qui se trouve dans la cour du collège avec des moutons, et vous allez comprendre pourquoi, on va avoir une gestion qui va être très respectueuse de la biodiversité, qui va complètement s'inscrire dans son cycle, qui va participer à l'écosystème. Herbivore, j'insiste un petit peu sur ce mot parce que ça va être votre première mission. Herbivore, ça mange de l'herbe, et donc les moutons mangent de l'herbe et uniquement de l'herbe. D'accord ? Donc, ils n'ont pas besoin du pain de la cantine. Ils n'ont pas besoin des restes de repas, surtout pas d'ailleurs. Et même si c'est des végétaux. Parce que bon, si vous leur amenez des pâtes ou le poisson du vendredi, ça ne donnera rien du tout, ils n'en auront aucun intérêt. Mais néanmoins, ils n'ont pas non plus besoin qu'on leur amène la feuille de salade qui est restée dans l'assiette ou qu'on leur amène une épluchure des carottes. Ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de pain non plus, ils ont juste besoin de l'herbe, et ça tombe bien, il y en a à foison, il y en a plus que je n'imaginais d'ailleurs, sur le talus dans la cour de l'école. Le truc qui change avec la tondeuse, c'est qu'en plus qu'il ne fait pas de bruit, en plus que c'est vachement plus sympa à regarder, que ça met de la vie, que c'est vachement plus vivant, voilà, c'est vachement plus intéressant, eh bien ça sélectionne, et tout le changement, c'est le rapport au temps. Il faut juste accepter que l'herbe pousse. À la fin de la saison, on aura un résultat très satisfaisant. Par contre, il faut juste accepter que tout ça, ça va se faire dans un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus doux pour la nature, pour tout le monde. Et donc, effectivement, le paysage va changer. C'est-à-dire votre espace, là, vous n'allez plus du tout le voir de la même manière. Donc, en fait, en soi, vous allez avoir une multiplicité d'intérêts à ce que les moutons soient là pour la biodiversité. Et puis, le dernier point, c'est aussi de la biodiversité quelque part, c'est vous. C'est-à-dire que le mouton, la présence des moutons, la présence des animaux, elle ne va pas être seulement bénéfique sur le plan de vue écologique ou environnemental, c'est aussi très intéressant pour les gens. Moi, quand je vois l'accueil qu'ont eu nos petits agneaux tout à l'heure dans la cour de récréation, je suis plutôt confiant. Je vous dirais même que nous, en tant qu'éleveurs, c'est notre récompense, parce qu'on est conscient qu'on ne le fait pas pour rien. Voilà. On le fait aussi pour ça, parce que ça vous intéresse, parce que vous avez cette curiosité, même si certains s'expriment moins que d'autres, ça les empêche pas d'y penser, ça les empêche pas de ressentir des choses. Et puis surtout, nos moutons, ils passent un message, c'est-à-dire qu'ils sont là et ils rappellent que c'est important de protéger le vivant, que c'est important d'essayer de comprendre, et que donc du coup, respecter la nature, ça a toute son importance. C'est pas un mouton comme les autres, c'est même le plus petit mouton du monde, le mouton d'Ouessant. Hein, donc en gros, il fait moins de 49 cm au garrot maximum, si on respecte le standard de la race. C'est le plus petit mouton du monde. Alors le mouton d'Ouessant, par sa petite taille, très peu de laine, très peu de viande, et en plus la brebis d'Ouessant, elle n'a vraiment pas de chance, elle ne donne qu'un agneau. Alors qu'il y a certaines races qui en donnent trois agneaux. Donc bah, évidemment, quand le modèle agricole est un peu basé plus sur la quantité que sur la qualité, bah, vous vous retrouvez vite avec un mouton d'Ouessant qui n'a plus la cote. Et donc le mouton d'Ouessant, il est en
Alors, on va dire, pour que ce soit clair, nous, on appelle ça race patrimoniale menacée. Mais en gros, on pourrait appeler ça en danger d'extinction. Et l'éco-pâturage contribue à le sauver. Donc, c'est pas pour rien que je vous dis ça, parce qu'en fait, le fait de les accueillir ici, avec des agneaux, ils ont tous à peu près un mois, qui sont nés cette année et qui vont venir s'ajouter au registre de l'élevage du mouton d'Ouessant, et donc il y a une association qui la sauvegarde au niveau national, eh bien, on contribue non seulement à sauvegarder la biodiversité sauvage, on l'a vu avec la gestion écologique de la parcelle, mais aussi à sauvegarder la biodiversité domestique, parce qu'on contribue à sauvegarder cette race qui est menacée. Il y a 5 petits, et donc dans les petits, vous avez 3 agneaux, 2 agnelles. On a aussi des animaux qui ne vont pas à l'abattoir. On vous a expliqué que le mouton d'Ouessant, il n'était pas intéressant dans le monde de la production animale. Ça peut vivre jusqu'à 20 ans, un mouton. Mais en moyenne, le petit mouton d'Ouessant, il vit 10-12 ans. Vous avez le droit de leur donner des noms aux agneaux ? Ils n'en ont pas. Voilà. Donc ça peut être aussi une solution pour imaginer les noms qu'on pourrait leur donner. Vous avez remarqué qu'ils ont un collier autour du cou ? Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Qui est ni plus ni moins que les joints de beaucoup qu'utilisait ma grand-mère pour s'épater. Mais en l'occurrence, nous, on écrit dessus le numéro de la mère. Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué qu'ils ont des moutons, normalement, hein, c'est réglementaire, ont aux oreilles des boucles. Boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles réglementaires qui donnent, en fait, leur carte d'identité, ni plus ni moins. Il y a une puce, hein, même, dans la carte, qui fait qu'on peut passer un détecteur et détecter l'animal. Sauf qu'évidemment, nos petits moutons d'Ouessant, les agneaux, si vous leur mettez une boucle, ils ont l'oreille qui va tomber avec. Enfin, ils ont des oreilles qui sont tellement minuscules pour l'instant. Donc on déroge à cette règle, et par contre, on leur met un collier pour pouvoir retrouver leur mère. Donc en fait, sur la boucle, ils ont leur date de naissance, le numéro de leur mère, leur couleur, etc. Sans plus attendre, voici les brèves. Nous sommes ambassadeurs contre le harcèlement. On va vous expliquer ce que c'est que les ambassadeurs et ce que c'est que le harcèlement aussi. Notre rôle à nous, c'est de prévenir en cas de harcèlement, si c'est nécessaire d'ailleurs. Et il y a plusieurs adultes formés pour répondre à ces cas de harcèlement. Donc il y a Madame Engrand, Monsieur Caron, Madame Prieur, Madame Lebouc, l'infirmière, l'assistante sociale, Chloé, et c'est tout, il me semble. Voilà. Et ainsi qu'il y aura une boîte à côté du bureau de Madame Brison pour ceux-là qui ne voudraient pas le dire mais qui préféraient le dire plutôt discrètement.
édition du Surf en Flash est maintenant terminée. Pensez à vous abonner. Attendez, vous avez pas oublié quelque chose? Mais oui, Maïs, on a oublié la minute salle des profs. Eh bien, c'est parti. Pour être prof d'art plastique, il y a deux possibilités, soit faire l'école des beaux-arts et ensuite passer un concours, ou alors aller à la faculté, donc moi c'est ce que j'ai fait, où on a un enseignement 50% pratique, 50% théorie. J'ai passé une maîtrise d'art plastique et ensuite le concours pour être professeur d'art plastique. Alors mes loisirs, donc j'aime bien faire de la cuisine à la maison, cuisiner pour mes enfants, les petites choses qu'ils aiment, voilà, pour leur faire plaisir. Et autrement, j'aime bien faire du sport, ça me fait vraiment du bien, donc de la marche nordique, j'en fais toutes les semaines. Et cette année, une première, je commence en grand débutant le karaté. Alors j'ai peur d'être un peu ridicule, je me retrouve avec beaucoup de jeunes, mais je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés pendant les cours? Tout simplement, les thèmes qui sont abordés sont en fonction de ce que j'aime. En langue, on a tendance à pouvoir avoir une certaine liberté pour travailler les cours et pour les thématiques qu'on choisit. On n'a pas un programme obligatoire. Le principal, c'est de faire parler les élèves et de les faire réussir au bout du compte et de les faire devenir autonomes dans la langue. Et parallèlement à ça, de leur ouvrir l'esprit en leur faisant découvrir un maximum de la culture espagnole et latino-américaine, puisque l'espagnol se parle et en Espagne et en Amérique latine. Donc voilà, mes thèmes de prédilection sont très souvent associés à l'Amérique latine, au Mexique, les troisièmes en sont témoins en ce moment, mais pas seulement le Mexique, l'Amérique latine en général, l'Espagne également aussi, mais c'est vrai que la culture mexicaine m'a toujours énormément attirée avec les civilisations préhispaniques, les Mayas, les Aztèques, et puis le mélange de ce que la culture espagnole a pu apporter aux cultures latino-américaines. Donc je parlais des Aztèques, des Mayas au Mexique, mais aussi dans le Sud, il y a beaucoup de diversité culturelle, des choses locales qui se sont mélangées avec la culture espagnole et qui donnent un mélange très intéressant et très riche. Voilà. Alors, combien de temps je passe à préparer mes cours? Alors, vu mon grand âge, je passe un petit peu moins de temps parce que je commence à avoir un peu d'expérience, mais c'est entre 10 heures et 15 heures avec les corrections en général par semaine. Voilà, à peu près. Reprenons. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve le mois prochain pour la dernière édition de cette année scolaire. À la prochaine !